Vous vivez toujours ensemble ? Beaucoup de couples divorcés vivent sous le même toit. Ah, c'est monnaie courante. Je possède 20% de cette maison. Tu m'achètes mes 20% ou je viens habiter dans mes 20%. Non mais papa va vraiment revenir ici ? Vous pouvez pas divorcer comme tout le monde, non ? Oh, Violette, tu reviens tout ? Je m'en occupe. Oui, voilà, fais ça. Vous avez des problèmes conjugaux ? Oh, c'est bien ce que t'as fait là, sans frigo. De quoi ? Bah, de virer ma photo. Non, bah non. Moi, je trouve ça génial. Tu verras aucun inconvénient à laisser ta chambre à ton père ? Quoi ? Ouais. Tu peux venir voir ? Tu viens voir tout de suite. Oh. Tout ce qui est là, t'y touches pas. Ça, c'est ta partie. 20% de la maison, 20% du frigo. Je crois que c'est simple pour moi de devoir te trimballer à poil. Oh, à poil. J'ai soif. Je vais prendre un drink. T'as pas 20 euros pour la cantine ? Le truc, c'est que j'ai oublié mon portefeuille, alors... Ok, bon, laisse tomber. J'ai piqué 10 euros à maman, tu me les rendras quand tu pourras. Non, je vois ça, je me dis, c'est quand même pas mal d'avoir un pote qui a une vie de merde, parce qu'après, bah, moi, je regarde et puis ça me rend heureux. Qui c'est qui ramène des mecs à la maison pour faire des plans à trois ? C'est qui, lui ? Mon maman. Votre mère est une grosse info. Je crois que je vais y aller, moi. Non, toi, tu restes ici. Vous pouvez sortir tous les deux un instant ? Allez, allez-y, les enfants, on a besoin de parler entre adultes. Non, c'est à vous que je m'adressais. Tais-toi.